des personnes qui me lancent chimpanzé. Ou alors, quelqu'un entre, vous croyez que c'est un client, elle regarde vos affaires et au moment de sortir, elle dit, franchement, vous n'avez pas de place parmi nous. Trois heures du matin. Il y a toujours quelqu'un qui m'attend que je viens que vous arrivez pour ouvrir. Les dames viennent carrément se tenir là et disent mais qui a fait cette faute là, qui a donné une place pareille à une noire. Oh là là. Vous comprenez? La situation aujourd'hui, c'est que le syndic de copropriété passe par la mairie pour m'empêcher de mettre le conduit de cheminée dans mon activité. Donc le syndicat est complice? Mais bien sûr. D'accord. C'est voilà. Organisé par le syndic. Il n'y a plus de doute par là pour non, ça. Non, j'ai tous les éléments pour démontrer que c'est le syndic de copropriété. Voilà. Qui a organisé avec la complicité ça. De la mairie. Voilà. Voilà. Donc des élus de la ville, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc ils sont tous contre vous? Non, ils sont sur moi. Ils d'accord. Sont sur moi. Parce que vous êtes noir? Oui, oui. Vous attendez qu'elle soit tuée dans sa boulangerie? Ça fait des années qu'elle est tuée. C'est un problème de copropriété. Non, c'est un problème racial. C'est un problème racial d'intimidation, d'agression, madame. On agresse son mari il y a 85 ans, elles se font agresser. C'est un problème raciste. Non, Donc c'est une honte pour des jeunes comme vous de participer à mon harcèlement.